Les quartiers asiatiques paraissent paisibles, mais derrière les façades, toutes sortes de trafics prolifèrent. Les voyous se retrouvent dans des salles de jeux clandestines. Tous ne cherchent pas la discrétion. Certains s'affichent dans des voitures de luxe et dans les boîtes de nuit. Ils ne semblent pas trop se soucier de la justice, ni de la police. Quand on me cherche, on me trouve. Alexandre Lebrun, plusieurs fois condamné. Il ne cache pas son penchant pour la violence, ni son attirance pour les armes. La roulette russe. Bonjour, contrôle de l'URSSAF. Ils ne peuvent pas travailler, enfin, prenez vos risques. Ils n'ont pas le droit de travailler en France. Et trois salariés ne sont pas déclarés. Lucien Contou. Avec ses inspecteurs, il contrôle les restaurants et les ateliers qui utilisent des clandestins. Sac a été 9 fois champion du monde de boxe thaï. Il est fatigué. Il est le garde du corps et l'homme de confiance d'Alexandre. C'est mon ange gardien et celui qui veille sur la sécurité de mes affaires également. Michel, condamné pour trafic de drogue. Alexandre, comme l'appelle, il dit Michel, j'ai une dette à les prendre. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, sa fonction, récupérateur de dettes. À la fin de notre enquête, deux gangs se déclarent la guerre. Moi je te dis, j'ai une poêle qui tombe, même si je meurs sur l'hôpital, toute sa famille ne va pas vivre. Je te dis franchement. Elle risque d'avoir pour théâtre la région parisienne. Bonsoir. Ces images d'un étalage d'armes, revolvers, pistolets, fusils, grenades, sont tirés de l'enquête risquée conduite pendant un an dans la communauté chinoise par un journaliste, Mohamed Sifaoui. La communauté chinoise, dynamique, honnête, discrète, déborde de plus en plus ses quartiers traditionnels, rachète avec succès des commerces de proximité partout en France. Mais comme toute communauté, elle a ses marginaux qui constitueraient des réseaux d'immigration clandestine, de trafic de drogue, de prostitution et de raquettes. Bref, ce qu'on pourrait appeler une mafia quasi impossible à infiltrer, où règne la loi du silence. Or, une équipe du Droit de Savoir a réussi à filmer un certain nombre de ces activités. Et leurs reportages apportent des réponses à des questions souvent posées. Existe-t-il vraiment une mafia asiatique en France? Comment parvient-elle à échapper à la police, au fisc et à contourner les lois? Voici les réponses du Droit de Savoir. J'ai infiltré le milieu asiatique, une enquête exclusive de Mohamed Sifaoui. On a le CNL 4. On sait pour quelle société? Ils ne connaissent pas le nom du patron. Il est complètement clandestin. Oui, il doit être clandestin. C'est son client exploitant. Mais ce qui est affreux, c'est que ceux qui sont arrivés avant exploitent les autres. Non. Combien d'heures par jour? 12 heures par jour. C'est pas cher payé, hein? Il y a son mari là, qui travaille tous les deux. Oui, mais enfin, quand même. Vous travailleriez pour 12,50 € par jour? Donc, tout est... c'est bon, le travail dissimulé, caractérisé. Venez avec moi en bas, là. J'ai le patron. Ouais. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur, vous êtes pris la main dans le sac. Bon, de toute façon, les faits sont établis. Oui, bonjour monsieur, monsieur Contou de l'URSSAF, chef de la division. Avec ses inspecteurs, Lucien Contou et quelques policiers a découvert dans la cave de cet immeuble un atelier clandestin et des travailleurs illégaux. Tous sont d'origine asiatique. Ils n'ont pas de papiers et ne sont bien entendu pas déclarés. L'employeur risque une amende et de la prison avec sursis,
Quant aux sans-papiers, ils encourent une reconduite à la frontière. Des ateliers comme celui-ci, il en existe beaucoup, un peu partout en France. Lucien Contou et ses hommes sont chargés de les démanteler. Ils sophistiquent chaque fois la délinquance, leur façon de frauder. Parce que bon, ils s'adaptent aux méthodes de contrôle. Et donc c'est à nous de les... Bon, dès qu'on a trouvé la faille, on trouve et ils trouvent autre chose. Bon, mais c'est à nous, c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. Personne n'a pu montrer ce qui se cache derrière le masque. Personne, jusqu'à présent, n'a pu pénétrer les réseaux des milieux de la délinquance asiatique en France. C'est dans ces quartiers où se sont implantés de paisibles commerçants que l'enquête commence. C'est là que les délinquants seraient le plus actifs. Ces voyous vivraient surtout aux dépens de leur communauté. Nous savons par exemple que beaucoup se font racketter. Une pratique courante, mais un tabou, aucun commerçant n'ose l'avouer. Bonjour. On nous a dit qu'il y avait des commerçants qui se faisaient racketter par des voyous. Le patron, il n'est pas là, moi. Ouais. Vous avez entendu parler de ça ou pas? À côté. À côté? On nous a dit qu'il y avait du racket de commerçants. Parfois. Non? Ah, madame, vous êtes au courant? Non? Non? Non, pardon, on n'est pas là. Patron, on n'est pas là? Ouais. C'est interdit. Pourquoi? Personne ne veut parler? Personne ne veut parler. Je suis très timide. Bonjour. Pourquoi ils ne veulent pas parler les gens? Je sais pas, chacun s'en souper, d'avoir. Faire semblant de ne pas bien parler le français ou ne pas le parler. Il est difficile de savoir ce qui se passe dans ce monde secret. Le 6 octobre, en pleine nuit, un Cambodgien est exécuté sur le trottoir devant son bar tabac à Montreuil aux portes de Paris. C'est un règlement de compte. Il avait rendez-vous avec celui qui l'a tué de deux coups de couteau en plein cœur. La police soupçonne un racket. Il est probable que l'homme refusait de s'y soumettre. Le matin, le quartier est sous le choc. Même en ces circonstances, la compagne de la victime a peur de parler. Vous voyez, maintenant, je suis tout seul. Je sais même pas comment on doit faire tout ça. Est-ce qu'il ne vous a pas parlé de problèmes qu'il avait avec quelqu'un? Non, il n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Il n'y a pas eu de raquette, par exemple? Non, il n'y en a pas de problème. Ces dernières années, une dizaine de meurtres de ce genre ont eu lieu. Très peu ont été élucidés. Loi du silence, communauté dans laquelle on s'interdit de faire appel à des étrangers, un monde impénétrable. Guy Nicolas est avocat. Depuis 25 ans, il défend la communauté asiatique. Il y a cette peur que les auteurs ou les copains des auteurs viennent en quelque sorte demander des comptes et recommencer si la victime, pauvre victime, ose aller se plaindre à l'autorité du pays qui accueille et qui par conséquent est une autorité étrangère. Que c'est une communauté qui vit en autarcie, ils sont discrets vis-à-vis de nous et ils sont discrets entre eux. La discrétion et le secret sont la règle, jusqu'au moment où quelqu'un accepte de vous introduire dans ce monde fermé. Ce quelqu'un, Mohamed Sifaoui, l'a rencontré. D'origine asiatique, il s'appelle Alexandre Lebrun, nom qu'il s'est choisi lorsqu'il a acquis la nationalité française. Chinois né au Cambodge, il est connu dans la communauté. Il y a quelques années, il possédait une quinzaine de restaurants, de boîtes de nuit et des sociétés dans l'immobilier et dans le conseil. Beaucoup d'argent. La justice l'a condamné à plusieurs reprises, par exemple pour le financement d'un réseau de prostitution. La police et des membres de sa communauté le considèrent comme l'un des parrains de la mafia asiatique en France. Lui s'en défend. Il affirme n'être qu'un homme d'affaires. C'est d'ailleurs pour faire un sort à toutes ces rumeurs qu'il accepte qu'une équipe de journalistes le suive avec une caméra. Il aime montrer sa réussite. Avant ses condamnations, il avait produit un DVD à sa gloire. Bonjour, je suis Alexandre.
Donc je suis le PDG du groupe chez Alexandre. Alexandre vous invite au King's Club, sa toute nouvelle discothèque à Tournon-en-Brie. Dîner à l'étage, fiesta au rez-de-chaussée. Depuis ses démêlés avec la justice et sa sortie de prison, il est sous le coup d'une interdiction de diriger des sociétés. Et s'il a accepté la caméra, c'est pour se donner l'image d'un entrepreneur dynamique. Aujourd'hui, il ferait des affaires dans l'immobilier et la restauration. Donc vous êtes un homme d'affaires, c'est ça ? Si vous le voulez. Vous achetez Je revends, ou j'achète, ou je vends les parts. Avant, je les gérais moi-même, maintenant, je les gère plus, quoi, en fait. Voilà, et puis également, bon, il y en a d'autres activités également. Hein. Lesquelles, par exemple ? Il faut tout dire. Non. Alexandre ne dit pas tout. Les journalistes sont conscients qu'il cherche à les manipuler et qu'avec ce film, il espère montrer sa puissance à sa communauté. C'est pour cela qu'il ouvre les portes de son univers, ce qui facilite notre enquête sur le milieu asiatique. Cette grande bâtisse en banlieue est le siège de sa société. Ok, officiellement, Alexandre est dans l'immobilier. Il offre ses services d'intermédiaire à l'aide de publicités dans des journaux communautaires et il passe beaucoup de temps au téléphone. Je pense qu'on est entre gens intelligents et honnêtes et la confiance est réciproque. Hein. Et si de nombreuses photos de lui ornent les murs de ses bureaux, il ne faut surtout pas dire qu'il est le maître des lieux. Dans 5 minutes. 1500 mètres carrés de bureaux qui sont étrangement vides. On y croise peu d'employés. Ce qu'Alexandre présente comme un groupe paraît être une coquille vide, à moins que bien des activités soient cachées. C'est le nom de notre groupe, ça. Qui s'appelle ? Qui veut dire le porte-bonheur. Qui m'a toujours porté bonheur depuis mon premier affaire. Non, ça fait 19 ans que j'exploite toute cette enseigne asiatique. Votre rôle exact dans ce groupe, c'est quoi ? Je suis coordinateur d'affaires. Vous pouvez nous présenter les dirigeants ? Le dirigeant d'ici, dont là, il s'est absenté, bien sûr. Pendant les mois que dure le tournage, aucun dirigeant du groupe ne sera jamais vu. En revanche, rencontrer de nouvelles recrues comme ce jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, est plus fréquent. Bon, je te félicite, hein, donc bienvenue au club, bien rejoindre notre groupe. Tu sais de quoi qu'on attend de toi, quoi, je veux dire. Hein, donc, tu es motivé ? Ouais. Ok. Vous connaissez depuis quand ? Vous connaissez Alexandre depuis quand ? Je suis né. C'est un jeune qui a beaucoup d'ambition, qui est déjà venu me voir à l'âge de 16 ans pour dire, écoute, ben, comment je dois faire, quelle branche choisir, afin de devenir en quelque sorte un peu comme toi. Dans le business, dans les affaires, et aussi dynamique. Comme quoi, je lui ai expliqué que je peux faire de toi, si tu es prêt, un des plus jeunes cadres du groupe. Faire le maximum possible pour le satisfaire. Voilà. Et pour le satisfaire, le jeune ambitieux a accepté de jouer un rôle. Puisqu'Alexandre n'a pas le droit de gérer des sociétés, d'autres doivent le faire à sa place. Simplement, il ne faut pas que cela se sache. Alexandre a dû se convaincre que nous allons être complaisants, que certaines images ne seraient pas utilisées, celles qui montreraient par exemple ces pratiques illégales. Les gens qui souhaitent vendre leurs affaires... Bah, tu dis, vous achetez, moi j'achète rien, moi. Tu sais très bien. Ah oui. Non, je voulais dire vous. Voilà. Le groupe. Voilà. Alors je dis, un de mes jeunes, mais voilà. Ouais. Tu sais très bien que moi, je n'ai rien à moi. Quand je dis vous, c'est le groupe. Hein. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est vrai. Tu comprends ? En réalité, c'est... C'est moi. Qui va signer ? Ben c'est le jeune, parce que lui j'ai fait rentrer dans la première affaire. Ah, c'est lui qui va signer ? Ben depuis le contrôle fiscal, je ne mets plus rien à mon nom. Donc quand tu vois un contrôle fiscal et puis que tu vois le montant comme ça, bon, t'as de quoi aller à compte des chiffres. 570 000. Ouais. Tu vois, c'est contrôle fiscal. Bon, c'est pour ça que je dis, il faut faire hyper attention à ce qu'on dit. Je suis là. Et pour faire attention sinon à ce qu'il dit,
tout du moins à la légalité de ses affaires, il fait appel à un avocat. Notre conseil, notre avocat du centre, et qui s'occupe de l'ensemble de nos affaires, des signatures ici au sein de notre centre d'affaires. Ce jour-là, une transaction commerciale est en train d'aboutir. Alexandre veut faire acheter un restaurant par sa jeune recrue. Les propriétaires actuels sont nombreux. Très nombreux. Il faut comprendre qu'il y a là les vrais propriétaires et des hommes ou des femmes de paille. On va commencer. Une tension s'est installée. Elle est palpable. Tous parlent dans des dialectes asiatiques. Ils semblent ne pas être d'accord sur les termes de la transaction. Au bout d'une dizaine de minutes, notre présence est devenue gênante. Pardon, ça ne vous dérange pas qu'on puisse avoir une activité? Je suis vraiment désolé, mais vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Alexandre a oublié de retirer son micro. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Alors, s'il y avait eu la porte est fermée... Excusez-moi, monsieur Alexandre. Vous nous avez promis quelque chose. Oui. Il faut le faire suite à vos paroles. Oui. Vous êtes d'accord? Business. Voilà, business, c'est business. Le mot, c'est le mot. Mon client, il ne discute même pas un centime. Vous savez, tout à l'heure, vous êtes venu, vous m'avez dit 6 000. 1 000, 2 000, 10 000. La discussion exaspère Alexandre, qui sort de la salle de réunion. Transaction à la le désaccord porterait sur la part d'argent en espèces qui doit être versée au vendeur. Sans être indiscret, ça t'a coûté cher à faire? 70 000 euros. Rien du tout. Mais c'est une belle affaire, sinon je ne le fais pas. Combien en cash? On déclare 30 000. C'est royal. Hein. C'est bon, ça va se régler. Ce bruit des billets que compte Alexandre dans le bureau voisin le confirme, cela va se régler. Les vendeurs se succèdent alors pour récupérer leur liasse de billets. Finalement, Alexandre nous dit pourquoi les vendeurs étaient aussi nombreux. Les anciens propriétaires étaient trois, il les appelle les décideurs. Les décideurs sont en situation irrégulière. Ils ont trouvé la copine pour porter les parts. La copine, ils ont des papiers. Ben, il y en a un qui a fait 6 ans de tôle, affiché au bon banditisme, les deux, c'est clando. En fait, les trois, ils ne sont pas en règle. Les acheteurs non plus ne sont pas en règle. Et l'un d'eux est également fiché au grand banditisme. C'est cet homme-là. Il s'appelle Michel. Mon petit frère adoptif. Alexandre l'appelle petit frère. En fait, les deux hommes se sont connus en prison. Michel ne peut pas apparaître dans les statuts d'une société. Ce sera sa compagne qui sera officiellement l'associée du prête-nom d'Alexandre. Michel est très introduit à Belleville, l'un des quartiers asiatiques de Paris, où jusqu'à présent Alexandre n'a pas réussi à s'implanter. Au revoir monsieur, bon courage, au revoir madame, à bientôt. Merci madame. La vente n'est pas encore enregistrée, mais il est impatient d'ouvrir le restaurant. Il y a longtemps qu'il pense à cette affaire. C'était un restaurant chinois qu'il transforme en restaurant africain. C'est à la mode, paraît-il. Signature aujourd'hui, ouverture demain, livraison cet après-midi. Et si le succès est réalisé comme je l'ai prévu, j'aurai une part du gâteau, bien sûr. Ah oui. Dans cette affaire, donc. C'est-à-dire que vous allez être rémunéré au résultat, en quelque sorte. Exactement. Et ça, j'en ai fait pas mal, ce genre de montage, quoi. Le restaurant se trouve dans le quartier contrôlé par les Wanzhou, des Chinois venus de la province du même nom. Et sans Michel, son nouvel associé, lié à cette communauté, Alexandre ne pourrait pas s'installer dans ce quartier. Salut Mamadou, tu vas bien? Mamadou est le chef guinéen qu'Alexandre a recruté pour la cuisine. Quelques ouvriers, tous asiatiques, sont avec lui. Ils ont 24 heures pour transformer ce lieu. Les paiements par chèque sont quasiment prohibés ici. Ils avaient 24 heures pour transformer le restaurant des Mille Bonheurs en chez Moufassa, la nouvelle enseigne.
Le lendemain, Paris gagné. En fin de matinée, un homme branche les néons. Tout sera prêt pour l'inauguration prévue le soir même. Vous vous changez pour l'inauguration, Alexandre ? Ah oui. Comme là, j'ai pas mal bougé cet après-midi, donc ça transpire un peu. Et comme ce soir, on va avoir du monde un peu. Vous êtes très soucieux de votre image ? Ah bah, il faut un peu quand même. Hein. Je vais même pour finir un petit coup de allez, parfum. Pendu à l'un de ses quatre téléphones mobiles, les conversations sont toujours systématiquement liées à des investissements et des affaires. Je le conseille un peu dans ses affaires, dans ses investissements. Alexandre annonce qu'il a fait venir quelques amis cambodgiens pour l'inauguration et que Michel, l'associé fiché au grand banditisme, avait également invité des représentants de la communauté Vanzou. Alors, Philippe, ça va bien ? Oui. Ces notables sont reçus avec beaucoup d'égards par le maître des lieux. Ils sont tous dans les affaires. Entre eux, ils s'appellent frères. C'est mon petit frère, entreprise de bâtiment en général. Puis ça, c'est le beau-frère de mon petit frère, donc c'est mon beau-frère aussi. Quoi. Ils sont tous dans les affaires, tous dans les grossistes, en prêt-à-porter féminin, dans le 11e. En textile ? Textile 11e. Et là, c'est un autre ami qui était un ancien directeur de banque qui est parti au Cambodge, donc qui est revenu en France me voir pour savoir si qu'est-ce qu'on peut encore faire en France pour gagner de l'argent. Bon, on dit Tchin-Tchin. Hein. On dit pas Campbell, mais Tchin-Tchin. 1, 2, 3, 4 de plus. Donc 4, il manque encore une. Tout le monde trinque, même les employés et les petites mains ont été invités. Peu parlent le français. Alexandre aurait préféré ne pas nous les présenter tous. Le jeune homme, non, on l'a pas fait. Alors le futur nous présente ? C'est ton cousin ? Non, c'est pas mon cousin, lui, c'est un clandestin, mais il fait l'enseigne. Quoi. Et là, mon enseigne, c'est lui qui a fait. Ah, il travaille pour toi ? Non, il travaille pas pour moi. Il ouvre sa propre société avec un faux gérant. Depuis l'arrivée des premiers invités, le jeune propriétaire a été discret. C'est vous qui avez le patron ici ? Je ne sais pas encore. On trouvera ça avec monsieur Alexandre. Ah oui ? Mais c'est... Je reste modeste. Je ne sais pas. Je reste modeste sur mes mots, je ne sais pas encore. Voyons ça. En tout cas, c'est un bon restaurant. En fait, Alexandre lui demande de venir à une table. Lui, là. Allez. C'est le patron d'ici, là. Regardez, là. Regardez la tronche qui est là. 19 ans. Regardez. Je fais de lui le nouveau patron de Paris. Voilà. Et il est actionnaire, grâce à moi, dans plusieurs affaires, déjà. Donc, vous voyez, il a que 19 ans. Hein. Toujours pas de temps à perdre. La société qui gère le restaurant est en création. Il y a donc beaucoup de papiers à signer. Il s'élance dans une aventure, une belle aventure qui va l'emmener au sommet. Au pays des porcs. Au pays des porcs. Alors, vous allez avoir plein comme ça des jeunes qui ont la sorte de la réussite. Ce soir-là, l'avenir de chez Mufasa, restaurant sino-africain, paraissait plutôt agréable. Un avenir moins serein se prépare ce matin-là pour un autre restaurant asiatique qui ne fait pas partie de la galaxie d'Alexandre. Lucien Conto et son équipe rendent visite à un établissement dont ils veulent vérifier que les employés sont bien déclarés. Bonjour madame. Contrôle de l'URSSAF, personnel de l'URSSAF. Vous avez le registre du personnel ? Le registre unique du personnel. Oui, c'est moi. Non, le registre unique, vous l'avez ? C'est un document où figurent tous les salariés. Est-ce que vous pourriez me le présenter, s'il vous plaît ? Il y a un problème ? Personne n'a pas de papier. Non, mais monsieur... Non, mais vous en faites pas, c'est pas grave. Vous... On n'est pas la police, on est la sécurité sociale. On n'est pas... S'il vous plaît. Restez là, madame. Non, mais c'est pas... Voilà. Non, mais leur dites pas de s'échapper, ça va aggraver le... Alors, qui c'est que vous avez comme personnel actuellement ? Actuellement, moi et puis ma soeur. Et votre soeur ? Vous travaillez ici depuis quand ? Le 30
travail? Oui, ici, hier. Ah, je pas de travail. Non, non, si, madame. Ah, non, non, c'est... Madame, ouais. On va pas commencer, bon, on va pas... Bon. Merci, ça c'est le prénom. Elle vient d'arriver? Elle n'a pas de papier en plus. D'accord. Ok. Hein? Et on va vous dresser un procès verbal pour travail dissimulé, c'est-à-dire pour deux personnes, au moins deux personnes l'ont déclaré. Oui, mais ça vous le savez. Hein. Voilà, excusez. Voilà, mais excusez, non, c'est pas ça, mais. On l'a fait mouche, si vous voulez. On a, il y a le patron et trois salariés. Les trois salariés ne sont pas déclarés. Les restaurateurs chinois avisés ne se font plus surprendre. Leurs employés ont des papiers en règle. Alexandre fait partie de ceux qui ont résolu le problème. Alexandre nous explique comment il s'y est pris. J'ai fait venir 17 de mes cousins. Ah oui, les petits cousins et les petites cousines, je les ai fait venir du pays, hein, quand même. Hein. Ils ont tous obtenu leur carte de séjour facilement. Oui, dès qu'ils arrivent. Oh, il faut dire aussi, donc j'ai à un moment donné, j'ai même acheté la préfecture. Comment ? J'ai acheté la préfecture. Mais tu avais acheté, c'est-à-dire tu avais corrompu les gens ? Non. À la préfecture. Tu sais, les fonctionnaires, faut pas croire qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Ils crèvent la dalle. Mais pour les 17, ça t'a coûté combien, en gros? Il faut compter 3000 euros par personne. Le type, il voulait se payer une belle voiture, tout machin, il voulait monter son commerce pour sa copine. Donc, il a pu réaliser son rêve. Et il a son commerce maintenant? Oui, il a son commerce. Et sa belle voiture? Ouais. Et ça a marché. C'est beaucoup de diplomatie, il faut, avec des gens comme ça, il faut y aller avec beaucoup de diplomatie, et puis aussi il faut les rassurer. Quoi. Parce qu'il faut le dire, hein, tout le monde connaît combien vous avez gagné, combien vous gagnez par mois. Bah, je vous donne le double, ça vous va? Vous avez juste une signature à faire, vous faites passer ça. Quand dans ce piège, il n'y a que vous et moi. Donc ça reste entre nous. Je vous donne le double. Et j'ai pas qu'un cousin. Je peux vous montrer les photos, j'en ai une quarantaine de cousins. Ah, si vous faites les totaux, votre retraite, vous pouvez la prendre à 50 ans si vous souhaitez. Et puis, je suis quelqu'un de connu dans la communauté asiatique. Donc, après mes cousins, il y en a d'autres personnes encore. Lui, il voit loin. Hein. Alors, j'imagine un peu, avec moi, il touche à 60 000 euros. Voilà, mais il a gagné 4 ans de salaire en quelques mois. En l'espace de 6 mois. C'est pas mal. Nous avons voulu vérifier si les services de la préfecture concernée avaient attribué des permis de travail à des Cambodgiens l'année pendant laquelle Alexandre se vante d'avoir soudoyé l'un des fonctionnaires. Préfecture, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Demande officielle par écrit, coup de téléphone. Et je vous ai envoyé un email aussi. Ouais, je vous ai pas donné réponse pour le moment. Non, non, pas du tout. Je voulais savoir justement si vous avez réussi à avoir... Non, j'ai pas de réponse pour le moment. J'ai pas de nouvelles à vous donner, c'est dans les tuyaux. Le service de presse nous a indiqué que la préfecture ne disposait pas de ces statistiques. Mais nous avons pu vérifier qu'Alexandre était en fait très ami avec un fonctionnaire de cette préfecture. Au revoir. Ce jour-là, Alexandre nous a donné rendez-vous dans le restaurant de Belleville. Il est décidé à montrer qu'il a des relations et qu'il peut, par un simple coup de téléphone, faire sauter un PV. Je te dérange? Je voudrais te demander un service. J'étais parti à Lyon et sur la route, je roulais un peu vite et puis le gendarme il m'a stoppé. Quoi. Il a dit, vous savez à combien? J'ai dit non. Entre 180 et 200. Mais il m'a mis un PV, mais il m'a laissé son numéro de téléphone. Il m'a dit, si vous connaissez quelqu'un de la maison, il m'appelle et puis on s'arrange. Il fait une demande d'indulgence. Il suffit que tu lui donnes un coup de fil, tu dis que tu es un ami et puis que c'est pour la Porsche blanche. Et il a dit, c'est bon. Allez, à ce soir. Ciao, ciao. Nous n'avons pas pu vérifier qui était son interlocuteur. Il nous permet aujourd'hui de faire plus ample connaissance avec des voyous du milieu asiatique. Il a demandé à Michel, son associé, de raconter son parcours de grand délinquant. Ce qu'il ignore, c'est que deux caméras tournent. Toi, pourquoi tu as été là ? Moi, j'étais encore pourquoi ? Trafic international de drogue. C'était quoi ? Quel type de drogue ? Pour la guerre, héroïne. Héroïne ? Avec mon con, il y en a. Hein. J'ai un nom qui s'est fait tuer. Hein,
Dans quelles conditions? Comment tu peux nous raconter? Il est parti à l'argent, il a buté dans l'instant. Alexandre apporte des précisions. C'est une triade, une branche de la mafia asiatique qui a exécuté l'oncle de Michel il y a une dizaine d'années. La triade qui a assassiné son oncle s'appelle les enfants du cercle. Lorsqu'il a été condamné à la fin des années 90, la justice française considérait que Michel était membre de l'une de ces fameuses triades. Et depuis, tu as arrêté complètement? Bien sûr. Complètement? Ben bien sûr, pourquoi pas complètement? Et si j'arrête pas complètement, je suis pas ici à aller chercher une caisse de poulet. Hein. Ça te mange pas, ça ne démange pas un peu? Ça dépend, le chèque, comment il est gros. Si le chèque il est gros, pourquoi pas? La vie, on est là pour gagner de l'argent, non? Grâce à Alexandre, son associé Michel accepte de faire découvrir Belleville à notre journaliste qui s'est équipé d'une caméra cachée. Il lui a donné rendez-vous dans l'arrière-salle d'un bistrot où il a ses habitudes et s'est installé à la table d'un homme surnommé Tony. Puis un autre vient s'asseoir. Il s'appelle Cor, présenté comme un tueur à gages. L'apparition de journalistes non asiatiques pourtant ne trouble pas les parties de poker chinois. Il y a un billard et quelques autres tables pour les cartes. Pas de traces d'argent. Il nous semble pourtant que nous sommes dans l'une des salles clandestines que contrôle le milieu chinois. Ici, on ne se cache pas pour rouler des joints. Bien vite, Tony et Cor, les amis de Michel, se sont mis à tenter leur chance. Gagne combien? 1000 et quelques. Hein? 1000 et quelques. 1000? 1000 euros? En à peine une heure, qui vient de gagner plus de 1000 euros. Les comptes faits, les liasses apparaissent. Sur une autre table, on se paye aussi. Notre journaliste propose alors de raccompagner ses nouveaux amis chez eux. J'aime bien le type, Mickey Derry. Moi, 18 ans, l'ami parisien. Il n'y a pas beaucoup asiatique. Moi? Cor, présenté comme un tueur à gages, explique qu'il est aussi récupérateur de dettes et que cela ne va pas très fort actuellement dans son métier. Et même le contrat, ça, maintenant, c'est pas comme avant. Avant, les gens ont l'argent, ils ne veulent pas payer, tu peux faire tracer. Ouais. Maintenant, les gens n'ont pas l'argent, il faut prendre leur vie. Les gens ne trouvent pas. Maintenant, tu vas payer les dettes, il faut que tu le tires pour qu'il va chercher l'argent pour toi. Ouais. Mais avant, les gens, l'argent, ils ne veulent pas payer, tu vas aller voir. Il y a des femmes, devant son mari, tu vois quand elle me parle comme ça. Je ne fonce rien. Avant, tu me donnais ton sang, tu es sûr? Tout de suite, si vous prenez son sang. Là, tu vois, il faut rengonne. Mais moi, je vais faire pour le vrai. Elle accepte de payer 5 fois. C'est déjà pas mal, 5 fois. Payer à 10 000 euros par mois. Tu m'en prends pour du bon. Ok. Cor fait comprendre qu'il peut aussi accepter d'autres contrats. Michel et ses amis proposent à notre journaliste de les rejoindre dans le 13e arrondissement. Ils veulent l'emmener en boîte de nuit pour lui présenter un personnage qu'ils disent très important. C'est cet homme en imperméable beige qui ne dit pas son nom. Michel a seulement dit qu'il est originaire du nord de la Chine. Il est constamment encadré par deux gardes du corps. En route, Tony se laisse aller à quelques confidences sur ce nouveau personnage. Il travaille pas, il a l'argent, manger, hop, tout le monde comme il veut. Ah, lui, c'est un proxénète, il fait travailler des prostituées. Oui, ça aussi, et puis il y a beaucoup de business derrière. Et puis, la tête, ils sont tous. Hein. Sur Paris ou là-bas? Paris. Ah ouais. À l'intérieur de la boîte de nuit, on retrouve Michel qui a réservé le carré VIP. C'est en l'honneur de ce fameux personnage important que cette soirée est organisée. L'alcool coule sans limite. Il y a des prostituées, de la drogue. L'ecstasy est distribué discrètement. Michel en dit davantage sur leur invité de marque qui ne parle pas le français. C'est le grand frère du Nord. C'est lui qui tient tous les grands frères du Nord. C'est le plus chaud que tu rencontres ce soir.
Michel fait comprendre qu'on se trouve face à l'un des plus importants parrains du milieu chinois. Ce n'est pas une menace, il tient même à le rassurer. C'est ma famille, personne touche. Dans le monde asiatique, on n'aime pas utiliser les banques, ni faire appel à la police ou à la justice. Face à la caméra, Alexandre avoue que souvent il se transforme en juge pour régler des conflits au sein de la communauté ou lorsque des affaires tournent mal. Quand j'arrive et puis que je dis aux gens que voilà, je suis Monsieur Alexandre, bon, je pense que déjà la plupart des gens ils ont déjà plus ou moins entendu. Et généralement, les gens, ils acceptent de faire ce qu'on appelle une table ronde. Et là, on essaie de trouver une solution. Et vous, vous gagnez quoi dans l'histoire ? Une enveloppe, quoi, un petit cadeau. Donc, et après, donc, ben souvent, je dis, je compte sur la générosité des gens. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, on n'a rien à lui donner, tout. Donc, ça, c'est rare. Quoi. Mais ça s'est passé. Ça s'est déjà passé, ouais. Et ça s'est terminé comment ? Ça s'était perdu. Moi j'ai dit écoutez, bon, vous prenez la responsabilité, mais j'ai présenté quelques personnes qui justement qui sont des juges de paix aussi, mais d'une autre façon. À l'écouter, il ne ferait pas de mal à une mouche et laisserait d'autres régler les conflits de manière moins diplomatique. Pourtant, il a la réputation de ne pas être un tendre. Là je suis au Cambodge. Et on a fait cette visite avec l'escorte de la police locale, quoi, en fait. Le chef de la police locale. Là, je suis reçu chez le ministre de la Défense. On l'appelle le général Nguyễn Bân Trai. Ah, là, vous êtes... En tenue militaire. Oui, oui. Voilà, en tenue militaire parachutiste. Ça, c'est un... M18. Lance-roquette, un mitrailleur. Vous avez des armes, hein? Ah oui, j'ai toujours adoré ça. Au fil du temps, il se laisse aller à des confidences. Quelques heures plus tard, il décide de montrer son musée. Voilà, ici, où j'entrepose mes quelques pièces de collection. Ça, alors, c'était une lance, hein, qui servait dans ce sens-là. Là, on se sent fort avec ça, on se sent intouchable. Ça, c'est comme un Kalachnikov de l'époque, ça. Vas-y, juste une arme plus tard, hein. Oh non, mais on avait compris, c'est des armes. Voilà. Non, c'est très clair, hein, je veux dire, ce sont des armes de collection. C'est... Bien sûr. On se trompe pas. C'est pas comme au Cambodge, quoi. Progressivement, voilà. Il avoue une fascination pour la violence, même si devant la caméra, il hésite à prononcer le mot. En exerçant cette violence, j'ai réussi à me faire respecter aussi dans ce que je fais. Et depuis, voilà, on va de fil en aiguille et je suis devenu de plus en plus violent, quoi. Il finit par dire au journaliste qu'il va lui montrer quelque chose. Il sait que la grosse caméra ne tourne plus. Il a oublié la petite que notre journaliste porte à la main. Il est pas à ta main. Ah ouais, mais on est des balles. Hein. Ça, c'est un quoi ? Un 38 spécial. C'est ça le 38 ? Ouais. Ça, c'est un petit. Ah oui, c'est la collection, là. Ça, c'est un coup. C'est un coup ? Ouais. Un autre ? Oh. Les contacts, tu vois bien ? Depuis quelques jours, il voulait présenter un homme important pour lui et pour ses affaires. C'est un des plus grands champions du monde. C'est-à-dire, si c'est pas le plus grand, c'est quelqu'un qui a... Voilà. Ça, c'est la photo quand il était encore le grand champion du monde attitré de boxe thaï. J'ai été champion du monde 9 fois. Alexandre, vous le connaissez depuis quand ? 95.
Et c'était mon homme de confiance, c'était mon chef de sécurité. C'était votre garde du corps en quelque sorte ? Voilà, en quelque sorte, oui. Mon ami, mon ange gardien. Et celui qui veille sur la sécurité de mes affaires également. Il y a des affaires où je ne sens pas. Je ne sens pas tout seul, que la personne en face ne sera pas, il ne m'écoutera pas peut-être si je vais aller tout seul. Et il ne sera pas. C'est quelqu'un qui n'est pas. Que je ne peux pas raisonner. Par la parole, dans ce cas-là, moi je viendrai quand même par mesure de sécurité avec Krumsak ou avec quelqu'un d'autre, deux, trois personnes comme ça, et on arrive, on va l'expliquer, voilà. Ça s'est déjà arrivé. Et moi aussi, je n'aime pas la violence. Voilà. Oui, diplomatie d'abord. Voilà, diplomatie. Et si diplomatie ne marche pas? C'est le dernier recours, ça. Diplomatie marche pas. Krumsak a une autre activité. Il est l'entraîneur d'un club de boxe thaï et il a beaucoup d'élèves. T'es fatigué ? Voilà, Alexandre, il faut s'entraîner un peu là. Ah, y a pas de problème. T'as fait une blessure. Oui. Là, c'est un échauffement là. Donc quand il est bien chaud, vous imaginez un peu les dégâts. C'est pour ça que vous l'avez choisi. Bah oui, en quelque sorte. Ça c'est aussi c'est stratégique. Là, lui, à lui tout seul, il possède déjà 200 élèves dans la région. Mm-hmm. Les gitans disent oh, bien, on va te faire fermer ta boîte. Tu crois que ça nous fait peur? Réellement, je te dis. Il ramène tous ses élèves? Oh, un, deux, trois coups de fil, bon, les élèves ils viennent. Hein. Les gitans ils vont débarquer combien? À 10 à 20? Donc, tu possèdes une vraie armée. Non, pas de guillemets. Oui. Voilà, des vrais techniciens, ça. Tu vois, des vrais frappes. Donc finalement, tu n'as pas besoin de posséder des armes. Ah, mais on sait qu'en quelques fois, on est confronté à des milieux un peu plus violents, tels que les Corses, les Gitans, les Yougoslaves. Eux, ils utilisent des armes, ces gens-là. Alexandre sait que la caméra tourne. Il sait qu'il porte un micro. Peut-être est-ce l'atmosphère du gymnase, la violence ambiante, un sentiment de puissance. Il se laisse aller à de plus en plus de confidences. Il raconte comment il a procédé récemment pour récupérer une dette. Bon, pour cette affaire, j'avais pris Krumsak. J'ai pris Krumsak avec moi, j'ai pris Michel. Et donc je sais que Michel possède une petite armée sur Paris et lui possède une armée de guerriers. Et là vous étiez armé? Ouais. J'avais un 38 spécial, un Magnum, une Beretta, on avait un peu de tout. Quand on a mis en place tout le dispositif, ils sont arrivés. Et là, toi, on a montré, ils sont rentrés. Là, tout de suite, on les a braqués directement, tu vois. T'es armé, nous sommes armés aussi, tu vois. Par contre, je vais te dire une chose. Moi, mes Chinois, leur vie, 1 euro. Et toi, est-ce que ça vaut le coup de risquer ta vie alors que j'en suis sûr, t'as des enfants, t'as une femme qui t'attend à la maison. Sois intelligent. Tu vois. C'est ça. Tu as gagné combien sur cette opération? 100 000 francs. 100 000 francs? Ouais. 15 000 euros? Ouais. Tous ces risques pour 15 000 euros? Ouais. Je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. C'est pour cette raison que j'ai accepté de ce contrat. C'est une question de fierté plus de fierté, que... plus de fierté qu'autre chose. Et c'est de l'espèce. Que de l'espèce. Ouais. Moi, dans mon métier à moi, j'ai que de l'espèce. T'as vu, mon compte en banque, il y a quoi? Il y a tout cassé de 2000 euros. Je ne mets pas à la banque. Et après, en espèce, t'en as compte. L'argent en espèce? Ouais. 2-3 millions d'euros. Ah oui, tant que ça. C'est pour ça que quand je suis tombé en prison, ils n'ont rien eu. Et quand ils ont fait la descente, ils n'ont rien eu. C'est pour ça qu'ils ont s'acharnent sur moi, c'est qu'ils disent, ils s'attendent à faire des découvertes comme c'est les Chinois. Ils ont fait des descentes chez les Chinois, ils trouvent des sacs de riz remplis de billets. Moi, ils trouvent rien. Ils trouvent rien. Ils trouvent jamais rien.
la drogue. On m'a proposé d'envoyer des gars en l'an récupérer la marchandise, faire la livraison. J'ai jamais fait ça. Voilà. Tout ce que j'ai fait d'ailleurs, je pense que c'est pas. C'est avec beaucoup de bonté que je l'ai fait. Je prends jamais de l'argent malhonnêtement. Le 13e, le plus ancien quartier asiatique de Paris. Alexandre est en territoire ami. Il nous y a donné rendez-vous pour nous montrer qu'ici, il ne craint personne. Mieux, que c'est plutôt lui que l'on craint. S'il vient dans ce quartier, c'est pour retrouver les siens. Les Cambodgiens, les Thaïlandais, les Vietnamiens, les Laotiens, qui comme lui n'aiment pas se mélanger avec les Chinois de Belleville, considérés comme des concurrents et même franchement des rivaux. Et ici notre ami, mon ami Omer, qu'on surnomme le Sumo Thaï. Dans la profession de la restauration, c'est un peu mon petit frère. C'est solidaire. Voilà. C'est ce qu'il faut. Hein. Ouais. C'est le seul moyen pour réussir. Pour réussir dans les affaires, les amis d'Alexandre comptent sur la solidarité qui caractériserait les Asiatiques. Pourtant, au fil de l'enquête, il apparaît que cette solidarité est loin d'être respectée par tous. À ce moment de notre enquête, nous commençons à comprendre qu'entre le 13e arrondissement au sud de Paris et Belleville au nord, il y a des frontières, que la confiance y a des limites. Cor et Tony, les amis de Michel, ont appelé Mohamed Sifaoui pour le voir en tête à tête. Ils savent qu'il est journaliste et qu'il enquête sur la communauté asiatique. Ignorant ce qu'ils lui veulent, le reporter s'est équipé de sa caméra cachée. Les deux hommes lui proposent d'être leur complice dans une escroquerie qui viserait des sans-papiers. Moi, c'est le numéro 1, tout le monde me connaît. Je prends 10 000 chacun, je prends 100 machines, 1 million. Facilement. Hein. Je dis facilement, ils payent avant ce que je fais. Parce que quelques mois après, je dis il y a accident, on boit rien après. Maintenant, si on bouge, c'est prison. La proposition de Tony serait donc d'escroquer une bonne centaine de Chinois sans papier en leur promettant une régularisation que dans leur esprit un journaliste pourrait obtenir. Naturellement, la proposition ne peut être que rejetée. L'une des sources des revenus des voyous, c'est l'exploitation des clandestins. Le propriétaire du restaurant où nous sommes avait lui aussi payé des passeurs. Et toi, pour venir, tu as payé combien ? 100 000 francs. 100 000 francs à l'époque, ouais, c'était le franc. 15 000 euros maintenant. Et maintenant, il paye combien ? 23 000 euros. Maintenant, c'est dur. C'est dur, hein. Moi, j'ai un plan. Il nous explique alors quelques-unes des escroqueries dont sont victimes les pauvres gens qui ont confié leur sort à des réseaux de passeurs. Certains se font kidnapper comme le restaurateur à son arrivée en France. Ah oui, ça j'ai toujours entendu parler. Ils allaient les prendre. La famille vient payer. Ouais. Ça c'est kidnapping. Donc quand lui est arrivé, on voulait le kidnapper ? Ouais. Ces délits ne sont jamais arrivés devant les tribunaux. Mais le monde judiciaire en a entendu parler. Vous avez en quelque sorte les voleurs des voleurs. C'est-à-dire que vous aviez des équipes qui venaient faire croire aux jeunes qui arrivaient, ou aux moins jeunes, que c'était eux qui venaient les accueillir. Et puis, de fait, ils les enlevaient, mais les gens ne s'en rendaient pas compte. Et on leur demandait de téléphoner ensuite à la famille qui était censée payer. Et puis, on se faisait payer à la place des autres. Alors, vous aviez là quelques règlements de compte assez savoureux, si j'ose dire. Alexandre n'est pas seulement implanté dans la région parisienne. Il s'installe en province, où il est probablement moins nécessaire de se méfier. C'est à Argelès-sur-Mer, à côté de Perpignan, qu'il est en train d'ouvrir plusieurs restaurants qui fonctionneront surtout l'été. Pour l'instant, il y en a 4. Dans la vitrine, vous mettez là, vous m'avez pas mis encore les tartes, tout ça ?
Donc tout fonctionne bien ici. Ah ouais, tout fonctionne. D'accord. Moi, après, c'est que des petits détails, la recharger. D'accord. Moi, après, à partir du 1er juillet, c'est complet. Officiellement, il n'est pas le propriétaire de ces établissements. Pourtant, rien dans son comportement ou dans quelques éléments de la décoration ne laisse supposer qu'il y a un autre patron. Ici avec Vincent Perrault, ici avec Henri Lecon, ici Carlos, voilà. Et puis qu'on voit aussi avec Gilbert Montagné. Et puis ici à la soirée d'Eddie Barclay lors de son anniversaire en 2001. En espérant ici aussi qu'on va avoir quelques célébrités. À la tête de l'établissement, un jeune homme. Et en dehors de la saison, vous faites quoi? En dehors de la saison, je suis gestionnaire aussi du patrimoine de Monsieur Alexandre. Donc aussi conseiller. Patrimoine, c'est beaucoup dire. C'est gestionnaire du développement des affaires du groupe. Jusqu'à présent, tous les élèves, tous les jeunes que j'ai formés, les disciples ont dit, sont tous reconnaissants à mon égard. Alexandre aurait donc beaucoup de disciples, comme il dit. En tous les cas, des jeunes qui lui vouent une grande reconnaissance. À Argelès uniquement, il nous en présente plusieurs. Et ici, c'est des sports là, celui, le grand costaud là, qui est en train de visser. C'est son restaurant. S'il gagne de l'argent cet été, bah, j'aurai aussi ma part de gâteau. Oui, donc Alexandre, vous allez être le patron ici. Le patron, non. Je suis à ses côtés pour la restauration, parce qu'il me donne un coup de main. Alors, sois pas trop modeste, à vous. On t'a posé la question si c'est toi le patron d'ici. Il faut dire oui. Alexandre aime venir dans cette station balnéaire dont il apprécie la tranquillité. Ah. Il peut oublier les rivalités et les luttes d'influence entre les différents groupes chinois de Paris. Il est loin des affaires du milieu asiatique. Cet animal représente la loyauté, la puissance, la force. Donc, je vais le rassembler à ce dragon. Voilà. Il a craché du feu aussi ? Quelquefois, oui. Verbalement, dans mes propos, dans mon tempérament, dans mes agissements, je suis un dragon. Voilà, je crache du feu. Ressembler à un dragon, être un leader, une ambition qu'il assume. Vous voulez être le maître de la communauté asiatique? Non, pas de la communauté asiatique, mais le maître de ce que je fais. Voilà. Vous voyez là, dans la restauration, dans mon groupe, bah, j'ai toujours été le leader et je compte rester leader de mon groupe, de mon entourage jusqu'à la fin de mes jours. Et justement, au sein de la communauté asiatique, on vous voit comment? Comme quelqu'un de très dynamique, même quelquefois trop. Et d'autres voient ma réussite d'un œil plutôt jaloux. C'est-à-dire? Ils disent plutôt, c'est non, je suis dans la magouille, je suis dans le business, de la drogue, que je fais partie de la mafia, des blanchiments d'argent. Bon, j'ai tout entendu jusqu'à présent, vous savez. Voilà. Et vous, vous récusez tout ça? Vous savez, on dit la liberté d'expression, en France, c'est ça, non? On les laisse dire. Il se dit tellement de choses. En juillet, Alexandre a été convoqué par la police de Perpignan. Il s'est présenté à 9h du matin, une garde à vue de plus de 10 heures. Ils m'ont convoqué parce qu'ils pensent tous que c'est moi le boss, c'est moi l'organisateur de cette mise en place, quoi. Et puis, ils sont tout à fait satisfaits de toutes mes explications. Pour nous expliquer que les soupçons que suscite le personnage d'Alexandre sont injustifiés. L'un des avocats qui défend ses intérêts accepte de nous recevoir. C'est vrai qu'Alexandre Lebrun, on l'aime ou on l'aime pas, il a ses qualités et ses défauts, mais c'est une personnalité assez forte. Si vous voulez, il était gérant de droit, son nom apparaissait sur une ou deux sociétés, ouais. Mais dans d'autres restaurants qui se trouvaient également dans le 77, on filme pas là. Hein. Dans d'autres sociétés également dans le même département, il avait mis des prête-noms. Les gens disaient oui, on s'est mis gérant pour faire plaisir à Alexandre. Donc cet élément avait aussi joué dans la condamnation. Il avait dit, outre la société où son nom apparaît, il est également dirigeant de fait d'autres sociétés. Et c'est ça que je ne veux pas trop le dire. D'accord. La justice a considéré, après enquête, que ces personnes travaillaient pour le compte. On ne filme pas là. Hein.
pour le compte d'Alexandre. Voilà. À Paris, les affaires d'Alexandre prennent au cours de l'été une tournure inattendue. Les choses se passent mal avec celui que tout d'un coup il n'appelle plus son petit frère. Pour une raison qui, dans un premier temps, nous échappe, il se fâche. Alexandre parle d'une affaire d'argent. Quelques heures plus tard, notre journaliste apprend que les deux hommes menacent de se tuer. La communauté prétend que la guerre est déclarée. Ah, moi, je suis quelqu'un comme ça, toujours sur mes gardes. Et voilà qu'il déballe son arsenal. Ça, c'est un 38 spécial, c'est hyper puissant. Ça, ça c'est l'arme de Terminator. Ça, ça fait un trou comme ça dans le monde. À Paris, les affaires d'Alexandre prennent au cours de l'été une tournure inattendue. Les choses se passent mal avec celui que tout d'un coup il n'appelle plus son petit frère. Pour une raison qui, dans un premier temps, nous échappe, il se fâche. Alexandre parle d'une affaire d'argent. Quelques heures plus tard, notre journaliste apprend que les deux hommes menacent de se tuer. La communauté prétend que la guerre est déclarée. C'est Mamadou, le chef africain du restaurant, qui donne les clés du conflit. Oui, bonjour, monsieur Mamadou. Bonjour, comment ça va? Ça va, et vous-même? Ben, on fait aller, mais sauf qu'on a des problèmes là-bas. Qu'est-ce qui se passe? On est de là, il a cassé, commencé à casser tout là-bas, et j'étais surpris d'abord. D'un seul coup, il a pris un couteau, il a voulu poignarder Alexandre. Il a voulu poignarder Alexandre? Pour comprendre, il faut se rendre sur place avec une caméra cachée. Il est 21h, le restaurant est vide. Une seule table est occupée, au fond de la salle. Michel est en compagnie d'amis et de quelques gros bras. Il est tendu. Il y a eu des clients qui sont venus ou pas? Tout le monde a peur. Hein. Mais les gens partent sans courant. Tous les Chinois qui disent putain, ça va faire bien ici. Tout le monde a peur, évidemment. C'est normal. Quand ils t'entendent que ça va faire bien ici, les clients ne viennent pas, ils ont peur. Tu as pris un couteau, oui ou non? Ouais. Ah, bien ça. Il a dit comme ça. Il réagit comme un grand voyou encore. Non, tu parles pas comme ça avec moi. Il faut gravir un peu. Est-ce que moi j'ai parlé avec mes frères, j'ai dit, on va le niquer? Non, mes frères disent qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il descend les boxeurs pour me niquer. Mes frères disent, ben, fais-les descendre les boxeurs. Manifestement, l'affaire est grave. Chacun montre sa force. Alexandre a menacé de faire venir ses hommes. Michel a fait appel au sien. Il n'y a pas qu'une histoire d'argent. L'homme qui vient d'arriver dans le dos du journaliste, celui qu'on lui présente comme le grand frère, est plus âgé. Grand frère, c'est-à-dire qu'il fait partie du même clan, mais dans la hiérarchie, il est plus important. Et quand mes petits frères, quand il y a problème, je suis là. Ah oui, c'est normal. Ça, c'est normal. Comme aujourd'hui, il a dit que bon, il veut la guerre, mais je viens voir qu'est-ce qu'il veut comme la guerre. Moi, c'est ma famille. Quand on dit que comme mes frères, les gars, je vais partir de l'histoire gentiment, on part. Qui veut la guerre, veut la guerre. On peut l'amener n'importe qui, moi, il m'en. Moi, pour la famille, moi, les gens. Les menaces sont claires, la porte est ouverte pour des négociations. Michel propose à notre journaliste d'en être le témoin. Même ce soir, tu viens avec moi tous les deux, on va régler tous les deux, c'est tout. Top, homme à homme. Tu vois ? En fait, Michel demande au journaliste d'être le témoin de la rencontre qu'il veut avoir avec Alexandre. Le lendemain, nous allons chez Alexandre pour avoir sa version des faits. Il est remonté. Tout celui qui est saisi, il se soulève la main, il saisit une chaise, il vient. Son copain l'a attrapé, tout machin, il jette la chaise. Il me dit, on va aller dehors. Moi, je dis, ok, bah, on va aller dehors. Allez, je mets une patate dans la gueule, direct, c'est normal. Ça y est, il est devenu fou. Donc, son copain, il me dit, vas-y, monte de l'appartement, arrête de vous battre comme ça dans la rue, ça fout la honte entre frères. Et je monte à l'étage. Mamadou m'appelle, n'ouvre surtout pas la porte. Il est monté avec un couteau de cuisine. Putain, il arrive, de... waouh, c'est dans la porte. Waouh, ouvre la porte. Montre que t'es un homme, sors de là. Je vais te faire flinguer, je te promets. Attends.
les choses se règlent peu à peu. L'un des hommes de confiance d'Alexandre, l'un de ses disciples, arrive à ce moment-là. Lui souhaite en découdre tout de suite. Mais non, mais c'est un fou. Ouais, la solution, c'est facile. C'est quoi la solution ? C'est facile. On continue la guerre, c'est tout. Il n'y a pas, il y a pas à parler avec un mec comme ça pour moi. Je ne laisse pas partir tout seul. Moi, on ne touche pas, moi, on touche pas mon frère. Attends, ça sert à quoi ? C'est un des frères, il veut le tuer, mais ça va pas. Le disciple souhaite la guerre. Alexandre, lui, accepte de rencontrer Michel. Il demande que Mohamed Sifaoui soit présent. Ce dernier accepte à la condition qu'aucun des deux hommes ne vienne armé. Durant tout le trajet, pas un mot d'Alexandre. Ce que les deux hommes ignorent, c'est que nous allons filmer leur rencontre avec plusieurs caméras cachées. C'est à cette table qu'Alexandre attend pendant que Mohamed Sifaoui va chercher Michel de l'autre côté de Paris. Ça va ? Et toi ? Excuse-moi, ouais. Ça n'a pas bien roulé. Hein. Bon, Michel, je compte sur toi, hein. Pas de conneries. Hein. Ouais. Bon, t'as pas ramené un flingue là avec toi ? Non, non, non. T'as pas ramené un couteau ? Sérieux ? Non, j'ai toujours sur moi. Non, non. Un couteau, j'ai toujours sur moi. Tu le laisses dans la voiture. Oh, ouais. Un couteau, je l'ai toujours sur moi. Ouais, tu le laisses ici, comme ça, pas de malentendu. Dirigez-vous à gauche, puis prenez la troisième à droite. Moi, je l'aime bien, tu sais. Parce que quand je suis sorti en tôle, il est venu me chercher avec mes parents. Tu comprends ? Les retrouvailles sont glaciales. Il ne se serre pas la main. Michel fait preuve de bonne volonté. J'ai eu tort, d'accord. Les enfants, j'étais connu. J'ai excusé, d'accord. J'ai tort, bien sûr. Ouais, j'ai tort. C'est tout. J'ai mis en tort. Je m'excuse 1000 fois. J'étais. Moi, je veux que je te dise franchement. Ouais, dis des excuses. J'ai rien à faire. Quelqu'un qui a tenté de m'a tué, c'est la première fois de ma vie. Tu le sais très bien, non. Dans le 77 qui je suis, même dans le 13e qui je suis, même les voyous du 13e, ils disent Alexandre, tu ne viens pas grignoter sur notre terrain. J'ai réussi à monter sur le 13e, je grignote sur leur terrain. Ok ? Voilà, tu le sais très bien. Tu n'as plus qu'une parole. Belleville, c'est ton quartier, je respecte les territoires des gens. Okay ? Pour ta fierté, je respecte, je ne mets pas les pieds à Belleville. Alexandre rejette les excuses, mais il s'engage à ne plus aller sur le territoire de Michel. Alors celui-ci propose qu'ils rétablissent leur complicité. C'est que on ne va pas perdre la face. Voilà. Moi avec lui, là, si ce soir je me tire avec quelqu'un, jamais je me tire dessus. Lui, il a un problème. Il sait qu'il n'a pas. Chercher les têtes n'importe quoi. Moi je descends. Et c'est comment je suis. Jamais je balance. Je suis comme ça. Là, il peut faire comme ça. Tu vois. Là, il peut faire comme ça. Il dit Michel, ce soir, j'ai un problème. Réponds-moi. Je le ferai pour lui. C'est tout. L'offre de service est claire. Alexandre ne bronche pas. Pour Michel, c'est l'humiliation. Oh, Alexandre. On s'en retrouve là-bas. Alexandre. Allez, on s'en retrouve. Alexandre. Là, on verra plus tard, peut-être. Bon. Allez. En partant, Alexandre n'a pas le moindre mot pour celui qu'il appelait il y a peu encore, son frère. Le soir même, avec une caméra cachée, notre journaliste retrouve Michel dans son autre établissement, un petit restaurant japonais. Il ne s'est pas remis de l'humiliation qu'il a subie. Moi, je te dis, j'ai une poêle qui tombe, même si je meurs sur l'hôpital, toute sa famille ne va pas vivre. Hein. Je te dis franchement, hein. On n'est pas des pédés. Hein. Dis-lui, cette fois-ci, je prends sa vie, toute sa famille, sa vie, s'il va m'énerver encore. Ok ? Et deuxièmement, il ne me promet même pas un centime. Je le baisse tout. Dis-lui ça. Tu as l'argent ? Ben, moi aussi, j'ai l'argent. Hein. Tu as le pouvoir ? Moi aussi, j'ai le pouvoir. Hein. Pas jouer la mafia. Lui, il joue trop la mafia. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'il connaît, lui ? Il veut jouer la mafia. La mafia, mon cul, il va jouer.
et pour montrer que lui aussi est puissant. Michel nous donne rendez-vous le lendemain à Belleville chez les siens. Il semble détendu, il fait la bise à notre journaliste, il y a là le récupérateur de dettes. Tony est cet homme que l'on rencontre pour la première fois. Il nous est présenté comme le plus dur d'entre eux. Moi, je m'en moque quand les gens ont des problèmes, rien à taille de ça, c'est mes frères. C'est qui doit. Voilà. Et alors, je vous dis, si vous voulez, c'est tout. Pour les. Pardon, si les amis qui ont problème, c'est là. C'est des voix sur lui, il y a plein. C'est plutôt partout. Dans l'arrière-salle, Michel est furieux. Il s'est fait menacer au téléphone par l'un des disciples d'Alexandre. Tu dis ça, si t'as, il va jouer le combat. Tu dis, va l'utiliser. Et qui va le voir. Tu restes calme, est-ce que ouais. Si ça va pas, tu mens pas. De l'autre côté de Paris, chez Alexandre, en apparence, les choses vont bien. Ses affaires paraissent bien marcher. Il nous laisse le filmer, mais il n'aborde pas le conflit. Devant la caméra, il montre l'image d'un homme d'affaires serein et tient à parler de ses nouveaux projets. Son ambition, la politique. Je fais partie quand même des leaders de la communauté asiatique, hein, de la génération jeune, donc la génération qui s'intéresse quand même à la politique. On soutient certaines idées sur du côté socialiste, du côté UMP, et après c'est à nous d'en juger le côté où il y a plus de d'avantages pour nous. La politique ça, peut-être, ça, mais d'abord le business. Alexandre se lance dans l'importation de produits chinois. Ça, c'est un produit que nous allons importer. Alexandre apprécie la plaisanterie. Mais dès que la caméra lui semble ne plus tourner, son expression change, son ton aussi. Le conflit qu'il oppose à Michel refait surface. Non mais il est insolent ce mec-là. Il va le payer pour son insolence. Moi je cherche pas les gens et les gens ils savent très bien qu'il faut pas me chercher non plus. Voilà. Faut pas chatouiller, tu comprends? Parce que moi, on peut dire, dans les affaires, je suis un homme d'affaires. Dans le milieu de voyous, je suis un voyou. Et je suis un voyou qui a du répondant. Je mets à l'amende les gens comme ça, tu vois. T'as jamais fait buter quelqu'un? Pas encore. Moi, je vais te faire. J'envoie un gars, je dis vas-y, tu vides le chargeur et tu passes devant la scène et tu jettes. Tu vois. Il faut avoir les moyens pour le jouer. Et ça coûte combien? Hein? Ce genre de contrat, ça coûte combien? J'ai pas de contrat chez moi. C'est mes propres gars, moi. Non, mais ça coûte combien? Tu payes okay. Combien pour un truc comme ça? 5000 euros. Tu veux quoi? Tu veux deux mains? Tu veux broyer là? Comme je te dis, deux bras ou deux jambes. Mmh, une jambe. Et pour tuer quelqu'un? Oh, c'est un petit contrat plus sérieux quand même, ça. Combien? Ça dépend. C'est du cas par cas. Sur qui? C'est important ou pas comme contrat. 5000 euros pour une main broyée. Un peu plus pour une exécution. Il ignore que la caméra tourne. Il poursuit ses menaces. Moi, quand je suis un homme, moi, je respecte. Je respecte la loi des Yakuza. Quand on fait une connerie, on déshonore sa parole, son honneur, on coupe le doigt. OK? Lui, il a promis la main, il faut qu'il se coupe. Moi, j'ai dit à son beau-frère, j'ai dit à sa femme, il ne va pas se couper la main, on l'aidera à couper sa main. On va l'aider. Et ça, je l'ai déclaré. Lui. Alexandre raconte-t-il cela pour impressionner? Ou est-il capable d'avoir vraiment recours à ces méthodes? Pour régler le conflit avec Michel, il a un plan. Je vais le balancer plein de doigts dans le restaurant et puis qui va crever avec. Des grenades? Ouais. C'est dangereux. Mais non, je crois que tu vas faire avec
Ah bon, tu vas aller sur le terrain de quelqu'un, tu vas aller balancer un bout de pétanque. Non, il y a des clients. Imaginez des clients. Mais non, en fin de service, bien sûr, tu vois, je ne vais pas te dire les clients. Allez, en fin de service, lui et ses potes, là, vas-y. Tu balances les deux dedans et puis voilà. Que celui qui court le plus vite. Attends, mais... Attends. Tu as des grenades, tu laisses les grenades. Hein ? On voit comment elles sont. T'as jamais vu ça ? Je ressors quelques-uns de mes de trucs. Voilà. Ah, moi, je suis quelqu'un comme ça, toujours sur mes gardes. Et voilà qu'il déballe son arsenal. Ça, c'est un 38 spécial, c'est hyper puissant. Ça, ça c'est l'arme de Terminator. Ça, ça fait un trou comme ça dans le monde. Et ça, tu peux armer deux balles séparément. Ah ouais. Tu peux armer les balles séparément. C'est-à-dire que ça, même le plus grand chirurgien ne pourra pas te sauver. Mais dans le sud de la France, j'en ai quelques-uns encore. Et là, j'ai encore dans ma planque quelques-uns. Et là-bas, j'ai encore deux fusils à pompe à canon scié encore. Derrière là. Hein. Là. Ah, ils sont bons. Ah, attention, celui-là, il est armé. Oh, si. T'inquiète, j'ai pas mis de balles. Si, il y a des balles. Alors, non, fais gaffe. Ah ouais, bien. Ah ouais. Ah, il était armé. La roulette russe. Pas dans sa direction. Hein. Mes gars, et braque Michel, j'ai dit, fais ta dernière prière, mon pote. Bluffe-t-il ? On l'ignore. Là où il n'y a pas de doute, c'est que des membres du milieu asiatique se sont déclarés la guerre en région parisienne. Cela fait une année que notre journaliste Mohamed Sifaoui fréquente ce milieu. À la fin de cette enquête, il décide d'aller dîner une dernière fois avec Michel et ses amis. Ils sont tous là et visiblement contents de le voir. C'est tous les grands frères. C'est les grands frères, le mafia. Dernière rencontre pour d'ultime confidence. Michel lui propose de l'emmener en Chine. Dans l'Asie, même les plus grands triades, tu rentres avec nous. Tu rentres dans la tria 14. Tria 14, c'est international. Parce que le terroriste, je connais pas. Mais c'est pour rentrer dans la mafia, je suis dedans. Mais faut pas jamais parler ça. Désormais, Michel ne cache plus son appartenance. Ce qu'il vient de chuchoter à l'oreille de Mohamed Sifaoui est clair. À ce stade, la décision est prise de ne pas aller plus loin dans ce travail d'enquête journalistique. Cette enquête risquée, minutieuse, a duré une année pleine. Elle a été, vous l'imaginez, difficile à conduire. Mohamed Sifaoui a recueilli beaucoup d'informations. Et l'histoire de cette enquête, il en a fait un livre dont le titre est à l'identique de ce droit de savoir. J'ai infiltré le milieu asiatique aux éditions du Cherche Midi. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. Et écoutez, bonsoir.